mis au jour l'équipe cadre de district en collaboration avec le service départemental de l'action sociale, le service d'hygiène, avec l'appui de 5 psychologues conseillers et 2 sociologues. Donc on menait quand même un suivi des contacts. C'est qu'il y avait 50 personnes qui ont été répertoriées au niveau du bus. Les 6 sont retournés à Dakar le jour J. Nous avons passé le relais à nos collègues de Dakar qui les ont suivis là-bas durant les 14 jours. Les 2 avaient continué leur chemin vers la Guinée. Il y avait quand même 16 qui étaient à haut risque. Donc si on dit haut risque, ça veut dire qu'ils étaient prêts du cas confirmé. Donc parmi ces 16, on a pu quand même le lendemain faire une visite au niveau des maisons pour voir est-ce que l'auto-isolement est possible à domicile ou bien est-ce qu'on va devoir isoler ces gens-là au niveau de notre centre d'isolement. Donc quand nous avons fait ce travail quand même, on a jugé nécessaire d'isoler 8 d'entre eux au niveau du centre d'isolement. Et depuis les 14 jours quand même, les 8-là sont suivis au niveau de ce centre et le restant était suivi à domicile. À partir de ce jour, ces gens ne constituent plus les contacts. Ces gens ne constituent plus un risque pour leur famille ni pour la population. Donc l'équipe médicale les a vus. Ils sont sortis de leur confinement de 14 jours. Aujourd'hui, ils sont au 15e jour. Et que la population les aide quand même à se réinsérer. Parce que certains vont retrouver leur travail, d'autres seront au niveau de la société. Et on lance vraiment un appel à la population et surtout à la presse de véhiculer la bonne information que ces gens ne constituent pas un danger pour leur famille et leur communauté. La plupart d'entre eux quand même avaient bien surmonté cet confinement à domicile, de même que ceux qui étaient au centre. Il y a certains quand même qui sont volontaires pour venir appuyer le district parce qu'ils ont eu à vivre cette expérience qui n'était pas du tout facile. Mais on va les utiliser comme des relais, comme des ambassadeurs pour cette lutte parce qu'on voudrait quand même que si de telles situations se répètent, que les gens n'aient pas à vivre cette stigmatisation qu'ils ont eue au niveau de leur quartier. Ce qui pourrait pousser les gens quand même à cacher même leur malade au niveau de leur maison, par peur d'être stigmatisé. Donc c'est un combat qui nous attend et vraiment nous allons utiliser ces contacts qui nous ont donné leur accord. Nous allons les former, nous allons les utiliser au niveau de la communauté pour qu'ils puissent informer la population qu'il ne s'agit pas d'avoir honte d'avoir la maladie, ni d'avoir honte d'être un contact. C'est juste une maladie comme les autres et que les gens doivent venir le plus rapidement possible au niveau des structures de santé pour déclarer si jamais il y a des cas contacts ou des cas suspects. Pour l'anonymat, je pense que ce sont des agents assermentés qui connaissent ce qu'on appelle le secret médical et qu'il y a une note ministérielle qui a été sortie, surtout pour la préservation de l'anonymat. À nos jours, je ne pense pas que les gens aient la liste qui a été transférée au niveau du district. Maintenant, nous sommes en communauté. Tout ce qui se passe dans un quartier le lendemain, c'est tout Kédougou qui est au courant. Maintenant, notre objectif quand même, c'est d'appeler la population à vraiment être compréhensif. Savoir que ce qui est arrivé aux uns peut les arriver demain. Nous sommes qu'au début. Et si jamais l'épidémie se propage, il faut savoir que tout un chacun de nous peut être concerné. Donc il faut vraiment être clément envers ces gens, compréhensif. De par les témoignages que nous avons eus, même nous avions été choqués d'apprendre certaines choses qui se faisaient. Actuellement à Kédougou, il y a des jeunes qui abattent un travail extraordinaire. Je fais allusion aux volontaires de la Croix-Rouge. Il y a aussi Kédougou Assistance Médicale qui est constitué d'étudiants en médecine, en santé, que ce soit infirmiers, sages-femmes, mais aussi les étudiants ressortissants de Kédougou qui ont été formés dans cette salle et qui sont actuellement en train de dérouler des activités de communication au niveau de la commune, surtout dans le sens de
tout faire pour que cette stigmatisation ne survienne plus si jamais on enregistre des cas à suivre ou même des cas confirmés au niveau de la région de Kédougou.